24 heures après le décès de l'ancien Premier ministre Joseph Singa Ojo, le cabinet du Premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilunkamba a tenu une réunion relative à l'organisation des obsèques de ce dernier ministre du plomb du gouvernement Mobutu, décédé mercredi à l'âge de 86 ans. Le comité d'organisation a été mis en place pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Jean-Baudouin Maillot nous fait le point. Comme l'opinion le sait, notre pays vient de perdre l'un de ses valeureux fils en la personne de M. Joseph Singa Ojo Ogwakebi Otumbe, ancien Premier ministre, ancien président du Conseil judiciaire, ancien ministre de l'Intérieur, ancien député. Sur instruction du président de la République, le Premier ministre a réuni quelques membres du gouvernement pour travailler sur l'organisation des funérailles de cet illustre disparu. Une commission vient d'être mise en place. Elle va travailler et dégager un budget qu'elle va présenter au Premier ministre chef du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, a instruit qu'on réserve à ses dignes fils du pays des funérailles aussi dignes de son rang. Et le gouvernement s'y attelle.